Bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme et nous nous retrouvons pour une petite vidéo de PVP en 1 contre 1 sur le serveur du Ghoul Terminator qui oppose Blue Fire de Sylvos, la roublarde, contre Pesmoka, le Yop de Alma. Donc le Yop est déjà en mode 12-4, c'est assez bizarre comme mode, et la roublarde en face est en 11-6 et elle prend deux gros coup de toche pour commencer le combat, donc elle se retrouve déjà avec plus que 2700 points de vie. Donc on va voir comment la roublarde va jouer, mais normalement elle devrait gérer assez facilement si elle joue bien. Ah, vous pouvez voir que dans les spectateurs il y a Gens Destiny qui vient de... On va essayer de mettre les spectateurs. Non, je sais plus comment on fait pour mettre les spectateurs. Dommage. Ah non, voilà, équipe. On va lui dire bonjour, hein, à mon avis. Donc apparemment, la roublarde va jouer plutôt avec sa tornabombe et sa bombe à eau. Mais là, par contre, le Yop s'est pas très bien placé, à moins qu'il va faire un bon. Mutilation, va faire un gros coup de toche. Voilà. Donc si la roublarde ne fait pas assez de dommages assez rapidement, ben, elle va crever assez rapidement. Donc voilà, elle fait une tourne à bombe, elle le tape dans le mur de bombe, une aimantation à droite, une à gauche et à mon avis une botte pour terminer. Et elle va aller se planquer derrière sa bombe. Ah non, elle fait même pas de botte, elle fait une surcharge sur ses bombes pour préparer un possible debuff. Je sais pas ce qu'elle va faire là. Est-ce qu'elle tacle? Parce que si elle le tacle, elle peut venir ici faire une aimantation, remettre une bombe. Une grosse aimantation surtout, et lui faire une triple. Mais parce qu'elle a plus beaucoup de vie. À mon avis, la roublarde va la voir où je pense. À mon avis, elle va se faire pousser, ouais, voilà, par le roublabot. Mais à mon avis, le Yop va faire un bond pour se rapprocher et va lui mettre un gros coup de toche pour terminer. Donc voilà. Un coup de souffle et un coup de toche pour terminer la roublarde. Donc petit combat sympathique, assez rapide, 2 minutes 54. Je vais juste regarder s'il n'y a pas un deuxième. Non, il n'y en a pas actuellement, donc c'est dommage. Mais comme quoi, il y a plusieurs personnes qui disaient que les Yoptères en PVP, ben ils n'étaient pas fort aidés. Mais franchement, vous pouvez voir que s'ils jouent vraiment full cac... et que l'adversaire n'a pas le temps de se retourner, ben, ça peut être assez violent. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour des prochains combats pour le Ghoul Terminator saison 4. Allez, salut à tous.